Alors, on va continuer sur unité 4. Alors, vous écrivez unité 4. Unité 4. Le 117. Voilà. Vous écrivez la date du jour, la date, et vous écrivez l'heure. Parce que comme on a dit, on va les vérifier. Alors ici, la leçon, ça serait sur quoi? Eh bien, c'est qu'on va voir comment on trouve l'équation de la parabole si on connaît le sommet. Donc on va l'écrire ici, trouver. Donc le titre de la leçon, c'est trouver l'équation. L'équation de la parabole. La parabole. Sous forme du sommet. Sous forme du sommet. Voilà. Donc c'est ça la leçon. On va faire une petite introduction. Ah, introduction. Alors, nous avons déjà vu comment trouver l'équation de la parabole sous la forme factorielle. D'accord? Mais ici, on va chercher sous la forme du sommet. Pourquoi la forme du sommet? Parce que parfois, bah, pour chercher la forme, on va l'écrire ici. Donc, la forme factorielle, c'est quoi? Y est égal à A, X moins R, fois X moins S. C'est ça, la forme factorielle. Donc, on va écrire ici, forme factorielle. Mais, pour connaître la forme factorielle, on doit connaître le R et on doit connaître le S. Ça veut dire qu'on doit connaître les zéros. R et S, les zéros. Mais, on va voir que ce n'est pas toujours que la parabole a les zéros. Parfois, la parabole n'a pas de zéros. Par contre, il a toujours un sommet. Donc, parfois, la parabole n'a pas de zéro. N'a pas de zéro. Ça veut dire n'a pas de R et S. R et S. Et par suite, on ne peut pas trouver la forme factorielle. Par contre, la parabole a toujours un sommet. Donc, la parabole a toujours un sommet. A toujours un sommet. Et on va voir des cas où la parabole n'a pas de zéro, ça veut dire de R et S. Donc elle a toujours un sommet qui est HK. Et par suite, on a toujours l'équation ou bien la règle Y est égal à A. X moins H au carré plus K. C'est pour cela que la forme du sommet est très importante. Nous avons vu beaucoup de qualités de la forme du sommet. Nous avons vu qu'on peut faire une esquisse. Nous avons vu qu'on peut trouver les transformations. Et maintenant, nous allons voir comment trouver l'équation de la parabole sous la forme canonique, comme je viens de dire ici, ou bien sous la forme du sommet. Alors, ici, on va faire grand 2. Exemple. Alors, exemple, on va prendre cet exemple. C'est un petit exercice, on va le mettre ici. Exemple A, trouver l'équation de la parabole parabole si son sommet est 1 moins 3. Et passe par le point 2, 5. Donc, voilà le premier exemple. C'est que je dois trouver l'équation d'une parabole. Je connais son sommet. Je connais qu'il passe par un point. OK? Alors, si je veux faire une petite esquisse, je pourrais même faire une petite esquisse. Donc, je vais prendre une grille de 10. Donc là, je vais prendre une petite grille blanche. Une grille, ça veut dire un G ici. Voilà, je vais faire une petite grille ici. Ça, c'est une grille. Je vais faire plan cartésien. Petite grille. C'est-à-dire une petite esquisse. On va faire une petite esquisse pour voir notre parabole, c'est quoi. Toujours, c'est bien de faire un petit dessin, une petite esquisse. Parce qu'on a dit, si on a le sommet, on a un point, on va voir qu'on pourrait trouver notre parabole. Le sommet, c'est 1 moins 3. Donc, ça, c'est 1 moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc, mon sommet est là. Je vais faire avec le 3. 1 moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Mon sommet est là. S. Je sais qu'elle passe par un point 2, 5. 2, ça, c'est 2.
Donc là, j'ai 2. Donc ça, c'est 1. Ça, c'est 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 5. Je sais qu'elle passe par ce point-là. Je sais que c'est un sommet. Eh bien, je sais que la parabole, ça ferait comme ça, mais il doit monter jusqu'en haut, donc il est comme ça. Donc, je sais qu'il va être vers le haut. Donc, voilà, ça, c'est une parabole. Mais comment je vais trouver l'équation? Alors, regardez, c'est très facile. Je sors mes informations. Je connais le sommet. J'écris sommet. 1, moins 3. J'écris point. C'est quoi le point? 2, 5. Alors, le sommet, qu'est-ce qu'il me donne? Le sommet me donne le H et le K. Parce que pour trouver l'équation de ma parabole, j'ai besoin du H à quoi égal, j'ai besoin du K à quoi égal, et j'ai besoin du A. Parce que l'équation d'une parabole, je vais l'écrire encore ici, c'est Y est égal à A, X moins H au carré plus K. C'est ça ce que je vais chercher. Donc je vais chercher, trouver l'équation de la parabole, c'est ça l'équation de la parabole, Y est égal à A, X moins H au carré plus K. Donc j'ai besoin du H, j'ai besoin du K, j'ai besoin de A. Le sommet, déjà, il me donne le H. Le H c'est 1, parce qu'on a dit, le sommet c'est HK. Le K c'est moins 3. Voilà, j'ai déjà trouvé le H et le K. Qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Il me reste à trouver le A. Eh bien, le A, on va faire comme ce qu'on a fait pour la forme factorielle. Ça veut dire on va remplacer par un couple. Donc, voilà le H et le K, je l'ai trouvé. Et puis, je vais écrire ici, trouver A. Alors, comment je vais trouver A? J'ai écrit l'équation que je connais. Je sais que c'est Y égale à A, je ne le connais pas. X moins H, H c'est 1. Donc, j'écris au carré. Plus K, K c'est quoi? C'est moins 3, donc moins 3. Donc, déjà, je sais que l'équation comme ça. Ce que je ne connais pas, c'est A. Donc, je dois avoir un point test. Pour trouver le A, je dois avoir un point test. Quel est le point test? C'est le point qu'ils m'ont donné. Donc, j'écris ici point test, ou bien point, 2, 5. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire x égale à 2, y égale à 5. Pour ce point test-là, eh bien, je vais mettre ces informations dans l'équation et je fais le chemin de fer. Donc, ça va faire le y, c'est 5, donc j'écris 5 égale a. X, c'est combien? C'est 2, donc je fais 2 moins 1 au carré, moins 3. Alors là, je vais effacer de l'autre côté. Bien sûr, prenez le temps d'écrire. Arrêtez la vidéo pour que vous écrivez. Moi, je vais écrire de ce côté-là. Donc, je vais continuer ici. Je vais prendre ça. Vous, bien sûr, continuez dans votre cahier. Mais moi, je vais le faire ici. 5 égale à A, 2 moins 1 au carré, moins 3. Tout simplement, j'ai recopié ça pour que je l'espace. Et je dois faire le chemin de fer. Mais avant de faire le chemin de fer, je dois faire le ménage. Je vais faire les calculs. Donc, ça, c'est A. 2 moins 1, c'est 1. Donc, ça ferait 1 au carré, moins 3. J'ai encore 5 égale. A, 1 au carré c'est quoi? C'est 1, donc fois 1, moins 3. Et là j'ai 1 fois 1, c'est quoi? Donc toujours je fais l'algèbre, 1 fois 1 c'est 1A, donc j'écris 1A, moins 3. Là maintenant je peux faire le chemin de fer. Alors le chemin de fer bien sûr vous le savez, je ramène le moins 3 de l'autre côté, donc je vais faire plus 3, plus 3. Alors qu'est-ce que ça va me donner? 5 plus 3 c'est 8, qui me donnerait égal 1A. Je divise par 1, je divise par 1. Là, ça me donnerait A égale à 8 qui divise 1, c'est 8. Voilà, j'ai trouvé mon A. Et bien maintenant, j'ai tout. Alors, je vais effacer encore. Je vais effacer ici maintenant. J'ai trouvé A égale à 8. Donc, j'ai toutes mes informations. Sauf si je pourrais l'effacer. Maintenant, j'en ai plus besoin. Et là, j'écris mes informations, ce que je sais. J'ai le A. Donc, j'écris A ici égale à 8. Et là, maintenant, j'écris ma règle. Ou bien mon équation, y égale à a, c'est 8, x moins h, c'est 1 au carré, moins 3. Voilà, j'ai trouvé l'équation. Et là, j'écris réponse. Bien sûr, vous devez vous organiser votre feuille, votre cahier. Y égale à 8, x moins 1 au carré, moins 3. Voilà. Voilà ma réponse, je viens de la trouver. Donc, c'est comme ça comment on fait pour trouver l'équation d'une parabole dans la forme du sommet. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin du sommet et d'un point. Alors, on va résumer ça. Donc, on a fait l'exemple. Là, on va faire d'autres exemples. Et ici, on va écrire ce qu'on a besoin. Alors, résumé. On va faire résumé. Ici.
résumé. Pour trouver l'équation d'une parabole, parabole sous la forme du sommet, on a besoin du sommet. J'ai besoin du sommet qui me donne h et k, qui donne h et k, parce que si je connais le sommet, je connais h et k. Et deuxièmement, je dois connaître un point test. Un point test. Le point test qui me donne le a. Qui me donne le a. Une fois que j'ai h, j'ai k, j'ai le a, j'ai mon équation. Alors maintenant, on va faire autre exercice. Donc, on va faire ces exercices-là. Parfois, on va essayer de trouver l'équation à partir d'un graphique. Eh bien, par exemple, j'ai la jaune, donc je vais les numéroter. Donc ça, je mettrai ça, c'est la A. La bleue, c'est la B. La blanche, c'est la C. Alors là, je dois trouver l'équation de chacun. Donc l'équation de A. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin du sommet. Donc j'écris sommet. Et le sommet, il est là. Il suffit bien sûr de le trouver tout simplement. Donc j'ai, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est 8. Et ici c'est quoi? Ça c'est mon sommet. J'ai 1, 2, 3. Donc le sommet qui est là, c'est 8, 3. Donc j'ai mon sommet. 8, 3. J'ai besoin d'un point test. J'écris ici point test. J'ai besoin d'un point test. Point test. Alors ce point test, eh bien je peux choisir ce que je veux, mais là ils m'ont proposé un ici en le noircissant. S'ils ne l'ont pas proposé, vous devez choisir le vôtre. Donc c'est ce point-là que je vais essayer de chercher. Je vais le mettre en blanc. Donc ça c'est 8, 9, 10, 11, 12. Et ça c'est combien? Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc le point c'est 12, 5. Donc point test, 12, 5. Ça c'est 8, 3. Voilà. Donc j'ai mon sommet, j'ai un point test. Mais je vais faire ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc là, déjà je vais faire H égale, K égale, A égale. C'est ce que je dois trouver. Parce que l'équation... Et puis j'écris l'équation ici, y est égal à a, x moins h au carré, plus k. Et bien le h c'est quoi? J'ai le sommet, h c'est 8. Le k c'est quoi? C'est 3. Je dois trouver le a. Alors je vais écrire trouver a. Où est-ce que je vais l'écrire? Je vais l'écrire ici. Trouver a. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, j'écris mon équation. Y égale à A, je ne le connais pas. X moins le H c'est 8 au carré, plus le K c'est 3. Mais j'ai un point test. X égale à combien le point test? Y égale. Le point test c'est 12. Ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est H et ça c'est K. X c'est 12, Y c'est 5. Eh bien, je vais le mettre dans l'équation. À la place du Y, j'écris 5 égale A. À la place du x, j'écris 12, moins 8, au carré, plus 3. Et là, je vais faire le ménage. 5 égale a. Alors, je calcule tout ça, 12 moins 8 au carré, c'est 16. Donc, vous le donnez tout à la calculatrice, tout ça. La parenthèse, comme ça, ça me donne 16. Plus 3. Je dois faire le chemin de fer. Je fais 5 égale. A fois 16, c'est 16A. Plus 3. Toujours, il ne faut pas faire le chemin de fer avant de faire tous les calculs. Il y a ceux qui se trompent, ils font 16 plus 3. Ça, c'est faux. 16 ici, non. C'est 16 fois A que je dois faire. C'est 16A plus 3. Et maintenant, je fais le chemin de fer. Lui, il doit changer de place. Je dois le faire moins 3, moins 3. Ça me donnerait 2 égale à 16A. Je divise par 16, je divise par 16, je le donne à la calculatrice, ça me donnerait A égale à 1 sur 8. Et bien, j'ai trouvé le A.
Le A, c'est 1 sur 8. Eh bien, une fois que j'ai trouvé tout, maintenant je vais effacer tout ça et je vais écrire mon équation. Donc, je vais écrire mon équation. J'écrirai y égale à A, c'est 1 sur 8. Parenthèse x, ben, ça va rester x, moins le h, c'est 8 au carré, plus le k, plus 3. Et ben voilà, j'ai trouvé mon équation. Ça, c'est ma réponse. Alors, on va faire un deuxième et c'est tout. Hein. Je vais faire le B et c'est tout. Et vous allez faire comme exercice le C, parce que tout est facile. Ce sont tous la même chose. Alors, je vais faire le B. Alors, là encore, je prends le sommet. Le sommet, c'est lui. Comme ça. Comme ça. Alors, le sommet, c'est moins 1, moins 2. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça, c'est 13. Donc, mon sommet ici, c'est moins 7, 13. Il faut faire attention parce que toujours, on commence par X. Donc, j'écris ces sommets. Moins 7, 13. Point test. Le point test, ça va être quoi? Ça, c'est moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Et ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est 9. Donc, ce point-là, c'est moins 10, 9. Donc, le point test, c'est moins 10, 9. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire h égale à quoi, k égale à quoi, et le a égale à quoi. Et puis, mon équation, bien sûr, y est égal à a, x moins h au carré, plus k. Ça, ça ne change rien. Le h, c'est quoi? Eh bien, c'est lui le h. Lui, c'est le k. Lui, c'est x, lui, c'est y. C'est le point test. Donc, le h, c'est moins 7. Le k, c'est 13. Le a, je suis en train de le chercher. Donc là, je vais écrire « trouver a ». Trouver A. Comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire Y égale A. Le A, c'est combien? Je ne sais pas. X moins. Le H, c'est moins 7. Donc, moins moins 7 au carré. Plus le K. Le K, c'est combien? C'est 13. Donc, plus 13. Je fais le ménage. Y est égal à A. Parenthèse X. Moins moins, c'est un plus. Donc, plus 7 au carré. Plus 13. Et bien, maintenant, je dois trouver le A. J'ai X égale à moins 10. Et j'ai Y égale à 9. Donc, à la place du Y, je vais écrire 9 égale A, je ne le connais pas, et que je le connais, c'est moins 10, plus 7 au carré, plus 13. Encore une fois, je dois faire le chemin de fer. Donc, j'écris A, moins 10 plus 7, ça, je le donne à la calculatrice. Celui-là, ici, pour que je le calcule, c'est seulement celui-là hein, que je donne à la calculatrice. Pas le plus 13. Le plus 13, ça ne leur appartient pas. C'est celui-là que je donne à la calculatrice. Alors, si je donne ça à la calculatrice, il me donne 9. Donc, fois 9. Là, je vais mettre un plomb. Il me donne ici 9. Plus 13. Là, je fais le chemin de fer. Donc, le plus 13 doit changer de place. Ça va faire moins 13, moins 13. Alors, je vais effacer pour que je continue. Ok, alors moi je vais continuer un peu en haut, donc je vais effacer ici, mais vous continuez après. Hein? Ok, donc je vais élever celle-là et je vais recopier cette étape-là. Je vais la recopier ici. 9 égale à A fois 9 plus 13. Donc, chemin de fer. Donc lui, il doit changer de place. Ça va faire moins 13. Moins 13, 9 moins 13, moins 4, égale A fois 9. Eh bien, A fois 9, ah, attends, si j'ai oublié une chose, hein, avant que je fasse le chemin de fer. Ça, c'est 9 égale A fois 9, c'est 9A, plus 13. Plus 13, c'est 9A plus 13, avant que je fasse le chemin de fer. Alors là, je vais effacer ça, parce que c'est une erreur. Alors, je vais recopier ici. 9 égale à 9A plus 13. Chemin de fer. Je prends celle-là.
je vais le mettre de l'autre côté, donc je vais faire moins 13 et moins 13. 9 moins 13, moins 4, égale 9a. Je divise par 9, je divise par 9. A égale à. Alors là, je vais effacer en bas, ici, pour que ça ne le mélange plus. Ça, je le repasse. Ça. Et je vais trouver maintenant le A. Alors, si je le donne à la calculatrice, ça me donne moins 4 sur 9. Donc, A est égal à moins 4 sur 9. Et là, je vais... Le A, je viens de le trouver, moins 4 sur 9. Le A est négatif. Et c'est bien que ce soit négatif parce que la parabole est ouverte vers le bas. Ben voilà, j'ai trouvé le tout. Donc là, je vais effacer tout ça. Et puis, je vais écrire mon équation. Y, elle est égale à... Le A, c'est moins 4 sur 9. X moins H, le H, c'est moins 7. Donc, X moins moins 7 au carré, plus le K, c'est 13. Et là, ça me donnerait finalement Y est égal à moins 4 sur 9. X plus, moins moins 7, c'est X plus 7 au carré, plus 13. Et ben voilà. Tout ça, j'ai tout trouvé ici. Maintenant, voilà. Et voilà. Donc, voilà pour comment trouver l'équation d'une parabole sous la forme canonique, en trouvant le sommet et en trouvant un point, on peut trouver l'équation. Donc voilà, faites les exercices encore, ça va vous donner encore plus de pratique.